Salam alaikum. Voici un nouveau exercice d'arithmétique pour les troncs communs scientifiques. Exercice 07. Soit P un nombre premier tel que P est strictement supérieur à 3. Premièrement, montrez que le nombre 3 divise P au carré moins 1. Deuxièmement, montrez que le nombre 8 divise P au carré moins 1. Troisièmement, on admet que si un nombre grand N est divisible par deux entiers naturels P et Q, tels que ces deux entiers naturels sont premiers entre eux, alors le nombre grand N est divisible par leur produit P fois Q. Montrez alors que 24 divise P au carré moins 1. ليكن P عدد أول بحيث P أكبر قطعا من 3. أولا بين أن 3 يقسم P أس 2 ناقص 1. ثانيا بين أن 8 يقسم P مربع ناقص 1. ثالثا نقبل هذه الخاصية هذه. إذا كان عدد N يقبل القسمة على عددين P و Q بحيث هذين العددين P و Q أوليان فيما بينهما، إذن العدد N يقبل القسمة على جداء هذين العددين يعني P و Q. بين إذن أن 24 يقسم P أس 2 ناقص 1. Comme j'ai dit dans l'exercice 06, exercice précédent sur les arithmétiques des troncs communs scientifiques. Alors j'ai dit que nous allons résoudre cet exercice à partir d'un résultat que nous avons obtenu dans l'exercice précédent 06. Alors, je commence par, ou bien je vais terminer ce que j'ai laissé pour vous comme exercice. Je vais démontrer, ou bien je vais finir la démonstration de l'exercice précédent numéro 6. Alors je vais démontrer que le produit de trois entiers naturels consécutifs مضاعف يكون مضاعف لثلاثة أو بتعبير آخر يقبل القسمة على ثلاثة. Alors نبدأ. En effet, j'ai montré le premier cas. Premier cas, je l'ai déjà montré. Donc, c'est pas la peine de le refaire une deuxième fois. Il me reste le deuxième cas et le troisième cas. Alors, je vais rappeler ce que j'ai dit dans l'exercice précédent, numéro 6. Alors j'ai dit que on parcourt les nombres entiers naturels de plusieurs façons. C'est-à-dire, comme j'ai dit la dernière fois, on peut les parcourir en deux façons, c'est-à-dire en deux catégories, c'est-à-dire les nombres pairs et les nombres impairs. Et ceci ne va pas nous faire la solution ou bien la réponse de cet exercice. Donc je dois faire autrement. Alors, je vais démontrer maintenant. Je vais prendre maintenant le nombre n et je vais parcourir tous les nombres entiers naturels. Tous les nombres entiers naturels de la façon suivante. C'est-à-dire, alors regardez bien. Les nombres entiers naturels sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, et je remonte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, etc. etc. Alors ce schéma, ou bien ce dessin, s'appelle le diagramme de Venn, pour ceux qui aiment l'histoire des mathématiques. Alors, ça s'appelle le diagramme de Venn. Diagramme
diagramme, de Venn. Alors, j'ai fait, ou bien j'ai écrit les nombres entiers naturels sous cette disposition. Alors, je ne les ai pas écrits dans n'importe quel sens, alors je les ai écrits de cette façon. Alors, ceci dit, je vais voir maintenant cette première catégorie, ou bien cette classe. Alors, j'ai partagé l'ensemble N en trois classes. Alors, la première classe, cette classe, c'est le nombre que je vais entourer avec cette couleur. Alors, remarquez bien que ces nombres sont les multiples de 3. Ce sont les nombres de la forme 3K. Alors, ceci, il est déjà dit dans le premier cas de la démonstration précédente. Ceci, si vous voulez le voir, c'est sur ma vidéo sur les arithmétiques des troncs communs scientifiques, l'exercice numéro 6. Et je ne reviens pas sur cet exercice, ou bien sur ce cas. Maintenant, je vais voir la deuxième catégorie, ou bien la deuxième classe, que j'entoure en bleu. Les nombres. Alors, ces nombres sont quoi? Ce sont les nombres de la forme 3K plus 1. C'est-à-dire les multiples de 3, où l'on ajoute 1. Donc, ceci sera notre deuxième cas. Donc, n, si n égale à 3K plus 1. Et je vais démontrer maintenant que le produit de trois nombres entiers naturels consécutifs est un multiple de 3. Donc, je commence. Alors, comme j'ai dit, je vais prendre grand N, notre nombre, c'est-à-dire N fois N plus 1 fois N plus 2, c'est-à-dire le produit de trois nombres entiers naturels consécutifs. Le suivant de N, c'est N plus 1, et le suivant de N plus 1, c'est N plus 2. Alors, maintenant, je vais remplacer le n, le nombre n, par sa forme 3k plus 1. Donc, j'ai 3k. Je remplace n par 3k plus 1, multiplié par, alors ici nous avons multiplié par n plus 1. Si n égale à 3k plus 1, donc n plus 1 sera égal à 3k plus 2. 3k plus 2 fois n plus 2. Si n égale à 3k plus 1, n plus 2 est égal à 3k plus 3. 3k plus 3. Et je fais le produit de mes trois parenthèses. Alors, égal, ceci égal. Alors, j'effectue la première parenthèse par la deuxième. 3k fois 3k, ça donne 9k au carré. 9k au carré, que je mettrai entre parenthèses. 3k fois 2, c'est plus 6k. Un fois 3k, c'est plus 3k. Un fois 2, c'est plus 2. Ceci, c'est le résultat du produit de la première parenthèse par la deuxième. Alors, je vais multiplier maintenant par la troisième, qui est 3k plus 3. 3k plus 3. Ceci égale. Alors, 6k plus 3k, ça donne 9k. Donc, j'obtiens 9k au carré
plus, ceci ça donne 9k, plus 2, le tout multiplié par 3k plus 3, 3k, 3k plus 3. Et enfin, je vais effectuer le produit de cette parenthèse par la dernière, 3k plus 3. Donc j'obtiens, ou bien, je ne vais pas aller plus loin, regardez bien ici, ici nous avons un 3 ici, et ici nous avons un 3. Donc c'est un facteur commun. Alors je le mets en facteur ici, devant cette parenthèse. Alors ça me donne 3 fois 9k au carré plus 9k plus 2. Et le 3, celui-là, c'est le 3 qui est un facteur commun dans la deuxième parenthèse. Alors si je mets 3 en facteur, il me reste k plus 1 plus 1. Et voilà, j'ai terminé. Donc égal à 3, regardez bien, 3. Voilà, ce 3 fois tout ceci. Je l'appelle grand K. Et ceci, grand K, avec bien sûr, n'oubliez pas de mentionner que grand K, c'est un nombre entier naturel. Pourquoi? Parce que K est un nombre entier naturel. Les carrés, le fois 9, etc., etc., plus 1, etc., ça donne un nombre entier naturel. Et ceci montre quoi? Regardez bien, j'ai pu montrer que le produit de ces trois nombres entiers naturels consécutifs est égal à 3 fois un nombre entier naturel. Et ceci montre que n est multiple de 3. Donc, finalement, dans ce deuxième cas, ou bien pour cette classe de nombres entiers naturels, donc n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 est multiple. Alors la batterie de mon stylo, il commence à s'épuiser. Je m'excuse, je vais la changer. Alors je termine et multiple. Il me reste le dernier cas, c'est-à-dire la troisième classe de nombres. Alors, si, maintenant, pour finir, troisième cas. Alors, troisième cas. Pour le nombre n de la forme 3k. Plus 2. Alors, quels sont ces nombres? C'est cette catégorie de nombres. J'entoure en rouge. Cette classe, c'est la classe des nombres de la forme 3k plus 2. Alors, je vais maintenant écrire si n est égal à 3. 3k. Plus 2, alors je vais maintenant démontrer que grand N, le nombre grand N, qui est égal à N, qui est égal au produit de N fois N plus 1, c'est-à-dire son suivant,
fois n plus 2. Et je remplace maintenant, là où il y a n, je le remplace par 3 quarts plus 2. Alors le n qui est ici, je le remplace par 3 quarts plus 2. Multiplié par n plus 1, 3, 4 plus 3, 3, 4 plus 3, n plus 2, 3, 4 plus 4. Alors 3, 4 plus 2 plus 1, c'est 3, 4 plus 3. 3, 4 plus 2 plus 2, ça donne 3, 4 plus 4. 3, 4 plus 4. Je ne vais pas aller plus loin, regardez bien. Regardez bien. Alors ici, dans cette parenthèse J, 3, 4 plus 3. Alors, il y a un facteur commun égal à 3. Alors, je factorise par 3 et je l'écris devant cette parenthèse. Je l'écris ici. Ça me donne n égale 3 facteur de 3, 4 plus 2. 3, 4 plus 2. Cette parenthèse, là où il y avait le 3 en facteur, donc ça, il reste K plus 1 facteur de la dernière parenthèse, 3, K plus 4. 3 quarts plus 4. Excusez-moi une seconde. Je change la batterie de mon stylo. Alors, égal à 3, et tout ceci est un nombre entier naturel, donc je l'appelle grand K. Bien, pour ne pas dire que c'est le cas, celui-là, ce cas, donc, pour différencier l'écriture, j'écris 3K'. Donc, avec, bien sûr, ce K' est un nombre entier naturel. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que le nombre n qui est égal au produit de 3 entiers naturels consécutifs est égal à 3 fois un nombre K'. Donc ceci veut dire que n facteur de n plus 1 pour ce troisième cas, ou bien pour cette troisième classe de nombres entiers naturels, donc est multiple de 3. Alors, regardez bien que dans tous les cas, le premier cas que nous avons vu dans l'exercice numéro 6, et le cas, deuxième cas, que j'ai fait maintenant,
Et le troisième cas que j'ai fait maintenant, alors pour tous les cas, le nombre n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, est un multiple de 3. Alors je dois écrire donc, dans tous les cas, c'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, alors le nombre n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2, je dois aller moins vite parce que la batterie de mon stylo s'épuise très vite. Alors donc pour tout n appartenant à n, n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 et multiple de 3. Et voilà pour la fin de l'exercice, pour ce qui reste pour l'exercice numéro 6. Maintenant, je vais attaquer mon exercice numéro 7. Celui-là. Alors, soit P un nombre premier tel que P est supérieur strictement à 3, premièrement, montrer que 3 divise P au carré moins 1. Alors, j'écris exercice 7. La réponse de l'exercice Alors maintenant le problème devient très simple. Première question. Je vais démontrer maintenant que nous avons dit que 3 divise P au carré moins 1. Sachant que P est un nombre premier. Alors moi, je note l'ensemble des nombres premiers de cette façon. C'est pas grave. Pour simplifier les choses. Alors, soit P un nombre premier. Une simple notation. Donc, alors remarquez bien que, n'oubliez pas, que les nombres antinaturels, comme les réels, comme les nombres réels, on peut les, ceci c'est 0, les nombres antinaturels, comme vous avez déjà vu dans les classes du collège, les nombres antinaturels, on les représente sur une demi-droite. Alors, supposons que le nombre P se trouve ici. Alors, le suivant de P, c'est P plus 1. Et le nombre qui se trouve juste avant P, c'est P moins 1. Alors, donc ici, regardez bien, j'ai trois nombres antinaturels. Puisque P est un nombre premier, donc il fait partie des nombres antinaturels. Donc trois nombres antinaturels consécutifs, P moins 1, P et P plus 1. Donc, alors, d'après l'exercice 6,
D'après l'exercice, ou bien d'après les résultats de l'exercice 0,6, P moins 1 fois P plus 1, P moins 1 fois P plus 1, c'est un nombre divisible par 3. Pourquoi? Puisque c'est le produit de trois nombres entiers naturels consécutifs. Donc, est égal à 3. Fois un certain nombre k. Alors ceci, regardez bien maintenant que cette parenthèse fois cette parenthèse, c'est p au carré moins 1. Donc j'obtiens p au carré moins 1 fois p. Donc p, celui-là, ce p, celui-là, fois p moins 1 fois p plus 1, c'est-à-dire p au carré moins 1. Donc p au carré moins 1 égale 3k. Regardez bien que d'après, regardez bien que nous avons un produit ici de deux facteurs, celui-là et la parenthèse. Ça donne 3k, c'est-à-dire le stylo m'énerve. Alors, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire, donc, le nombre 3, ceci, divise P fois P au carré moins 1, P, fois P au carré moins 1. Alors, comment je vais maintenant passer de ce résultat au résultat de monde? Alors, nous avons vu, puisque le nombre P, par hypothèse, est supérieur strictement à 3. Par hypothèse. Donc, P ne divise pas 3. Pardon. 3 ne divise pas P. Ne divise pas P. Alors, faites des exemples. Bien, ceci, c'est une propriété que vous allez voir dans les classes de terminale BAC sciences mathématiques. Alors, je fais des exemples. Les nombres premiers qui sont supérieurs strictement à 3 sont quoi? 5, 7, 11. Etc. Alors remarquez bien
que 3 le nombre 3 ne divise aucun de ces nombres. 3 ne divise pas 5, ne divise pas 11, ne divise pas 7, ne divise pas 13, ne divise pas combien 19, etc., etc. Donc 3 ne divise pas P. Et puisque 3... Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons 3 divise le produit de P par P au carré moins 1. Et 3 ne divise pas celui-là, ne divise pas P. Donc, il divise P au carré moins 1. Donc, trois divise P au carré, c'est-à-dire l'autre, divise l'autre facteur, P au carré, moins 1. Et voici le résultat de mon. Alors, je passe maintenant à la deuxième question. Deuxième question, c'est très simple. Deuxièmement, qu'est-ce que nous avons dit dans la deuxième question? Alors, je vais voir. Montrer que 8, je crois. Oui, 8 divise P au carré moins 1. Alors, comment démontrer ceci? C'est très simple. Nous avons, puisque P est un nombre premier, alors je note P l'ensemble des nombres premiers, seulement pour moi. Faire attention pour simplifier les choses ou bien les écritures. Puisque P est un nombre premier, alors P est impair. Je dois à chaque fois changer la batterie du stylo. Alors, P est impair. Donc, je l'écris d'une autre couleur. Attention à la réciproque. Tout nombre premier est impair, la réciproque est fausse. C'est-à-dire, il y a beaucoup de nombres qui sont impairs mais qui ne sont pas premiers. Par exemple, 9. 9 est un nombre impair mais ce n'est pas un nombre premier. Alors, puisque P est un nombre premier, alors P est impair. Donc, je vais maintenant utiliser le fait que P est impair. Donc, P au carré moins 1. D'après l'identité remarquable connue, est égal à P plus 1. Facteur de P moins 1. Ceci est égal. Puisque P est un nombre impair, alors si je lui ajoute 1, ça devient un nombre pair. Donc, il existe un nombre K tel que P est égal à 2 fois k. Et que p plus 1, pardon, égale à 2 fois k. Multiplié par. Alors ici, nous avons une multiplication entre les deux parenthèses ici. Là. Ensuite, puisque p
est un nombre impair. Si je lui retranche 1, donc ça devient un nombre pair. Donc il existe un autre cas, prime, tel que P-1 égale à 2 fois K'. Avec K et K', deux nombres entiers naturels. Alors ceci va... Je dois changer cette... Alors comment avoir... Pardon, ceci va... ne va pas me donner le résultat voulu. Alors je change. Alors, P au carré moins 1, alors puisque P est impair, donc P est égal, alors P, il est égal à 2 fois un nombre K, pardon, plus 1. J'espère que le stylo fait du bien avec moi jusqu'à la fin de l'exercice. Alors, puisque P est impair, donc P est égal à 2 fois K plus 1, avec bien sûr K un nombre entier naturel. Alors, je le remplace maintenant. 2 fois K plus 1. Ça, c'est P. Le tout au carré. Moins 1, moins le 1. Identité remarquable, 2k plus 1 est au carré, ça donne 4k au carré, plus le double produit, plus 4k, plus 1, 1 au carré c'est 1. Et moins 1, ça donne directement, je ne vais pas perdre de temps, j'obtiens ceci. Égal. Maintenant, regardez bien, j'ai un 4K en facteur. 4K. 4K. Donc, je mets 4K en facteur. 4K en facteur. Facteur commun. Alors, il me reste dans la parenthèse K plus... J'ai mis 4K en facteur, plus 1. Reste plus 1 dans la parenthèse. Ceci est égal. Maintenant, regardez bien ce produit. Lui-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, on remarque que c'est le produit de deux nombres antinaturels consécutifs. K. Le suivant de K, c'est K plus 1. K, et voici son suivant, K plus 1. K fois K plus 1, alors le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs, 2, 2, c'est pas 3, deux nombres entiers naturels consécutifs, est toujours un nombre pair. Par exemple, regardez, 3 fois 4, ça donne 12, 2 fois 3, ça donne 6, etc., etc. Et ceci a été démontré, je crois, dans un exercice dans votre classe. Le produit de deux nombres antinaturels consécutifs est un nombre pair. Donc, j'obtiens 4. Ce 4-là, quoi ? Puisque le nombre que... Puisque le produit que j'ai entouré en bleu, c'est un nombre pair, donc il est de la forme 2 fois K. Je mets un grand K. Pour ne pas mélanger les lettres. Avec grand K est égal à petit K fois entre parenthèses petit K plus 1.
Et ceci égale quoi? Bien sûr, appartient à 1. Ceci, c'est un nombre d'entier naturel. Alors, et ceci va me donner quoi? 4 fois delta, ça donne 8. 8 k. Alors, qu'est-ce que j'ai démontré maintenant? J'ai démontré que p au carré moins 1 est égal à 8 fois k. Et cela veut dire que 8 divise donc finalement donc je dois attendre un petit peu parce que le stylo il commence à être fatigué. Donc p au carré moins 1 est multiple de 8. Donc cela veut dire que tout simplement 8 divise p au carré. Alors maintenant je passe au dernier, à la dernière question. Troisièmement, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit d'admettre, on peut admettre ce résultat. Ou bien ceci, c'est une propriété que vous allez voir dans les années terminales, sciences mathématiques. Si un nombre grand N est divisible à la fois par deux nombres P et Q qui sont premiers entre eux, alors ce même nombre grand N est divisible par leur produit. Montrez que 24 divise P au carré moins 1. Vous voyez, maintenant c'est très facile à faire. Troisièmement, alors d'après les résultats précédents, nous avons, on a deux résultats, on a trois, on a montré que 3 divise P au carré moins 1, et huit divise le même nombre P au carré moins 1. Alors le nombre grand N dont on parle dans cette question, c'est celui-là. C'est ce nombre. C'est celui-là. C'est celui-là. Ça c'est grand N. Alors 3 divise grand N et 8 divise grand N. Ou bien je peux l'interpréter d'une autre façon. N est un multiple de 3. N est un multiple de 8. Alors N sera multiple de du produit. Alors n'oubliez pas, je vais ajouter ici sur l'accolade, je vais mettre une grande accolade ici. Alors, les deux résultats que j'ai obtenus, alors j'enlève ici pour que ce soit bien propre. Alors, je vais remettre une grande accolade. Trois divise p au carré moins 1 et 8 divise p au carré moins 1 et 3 et 8 sont premiers entre eux. 3 et 8 sont premiers entre eux. Donc d'après le résultat admis, donc leur produit, le produit de 3 et 8, c'est quoi? C'est 24. Donc, 24 divise ce même nombre, divise P au carré
moins 0. Et voici la réponse à la question numéro 3. Alors, j'ai fini mon exercice. Je vous demande de s'abonner dans ma chaîne pour recevoir plus d'exercices et à très bientôt. Il y a le lien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.